Le typhon Haikui a tué au moins 5 personnes en balayant l'est de la Chine. Il a perdu de la puissance après avoir percuté les côtes de la province du Zhejiang, mais les vents ont toutefois continué de souffler à près de 120 km/h. La ville de Shanghai a été relativement épargnée. Dans certaines parties de la mégapole, il est toutefois tombé jusqu'à 130 mm d'eau en quelques heures. Plusieurs millions de personnes avaient été évacuées et elles seront nombreuses à ne plus revoir leur maison. Au moins 4460 habitations ont été emportées. Comme dans ce village de Dongling où de véritables torrents se sont engouffrés. Dans les zones rurales, toutes les cultures sont perdues. 184 000 hectares de champs sont inondés.